Salut YouTube, c'est Heriz, ton youtubeur et streamer préféré. Alors oui, je suis toujours habillé de la même façon. Je le sais. Tais-toi. J'ai tourné peut-être 7-8 vidéos dans la même journée. Casse pas les couilles. Je suis avec tous mes sous du chat. Rejoins-nous YouTube, rejoins-nous sur Twitch, viens te follow. Dis-moi que tu viens de YouTube et que tu aimes mes guides. En vrai, vous êtes plein à venir de YouTube, à me découvrir ma chaîne, bah, de mon travail de YouTube. Ça me fait super plaisir et j'espère que vous continuerez. Et que j'espère que ça vous plaira toujours. Petite continuité dans les pics atypiques. Donc la playlist qui s'appelle Atypique. Voilà. Mes pics PICK. T'as compris le jeu de mots. Je suis avec mon gars Fantasy Lane. Line. Pardon, je ne sais pas donner son pseudo. Il a pic master. Et il joue Yorick Létalité mid. Voilà. Je peux pas t'en dire plus. Parce que là, frérot, c'est une dinguerie. Là, j'ai tourné avec mon gars Oni. Le Mundo support juste avant. Là, frérot, le Yorick létalité mid, c'est du plaisir, c'est Dieu qui donne. Voilà, on va le rejoindre, il va nous expliquer les runes, le pic, tout ça. Et on va faire une petite game. Et il y a même Pixie qui a... il y a Pixie qui l'a tag, apparemment. Et elle a dit que c'était pas agréable. Eh ben, incroyable, on va découvrir ça. Fantasy Line, j'avais pic master 150 LP avec Yorick mid létalité. C'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok. Je joue depuis la saison 6 ou 7, je sais plus. Ok. J'ai commencé Katarina tank AD, pour te dire. D'accord. Et ensuite, j'ai découvert Yorick. Et je l'ai joué. On appelait ça le build interdit. Et ensuite, je l'ai joué full AP. Je suis monté diamant avec. Attends. Yorick full AP ? Full AP, ouais. Tu jouais Gunblade, Liandry, Zonia. T'étais tranquille. D'accord. Tu es... Et ensuite, Et au niveau souci manteau, ça va ou pas? Souci manteau, pourquoi? Yorick AP, ben je sais pas si y a comment que ça choque, hein, mais... Bon, après, tu le joues létalité mid maintenant, donc bon. Vas-y, dis-moi, pardon. Bah ouais. Ah ben après, à part Yorick, je joue des petits pics de nid, genre en ce moment, je joue aussi sur un smurf V-mid. Et okay. Taric létal tempo. Ok. Taric, tu joues mid aussi? Je joue mid et top, et des fois jungle. Ok, bah Dieu qui donne. Dire, j'adore m'amuser sur le jeu. Mais j'ai l'impression que voilà. Ceux qui ont des pics atypiques, ils vous aimaient trop jouer, vous régaler. En fait, c'est juste du régal. C'est pas qu'on aime jouer, c'est juste qu'on a envie de montrer. Enfin, moi j'adore montrer parce que je suis complètement nul au jeu. Okay. Je veux montrer qu'avec n'importe quoi, tu peux monter. Ok, eh ben écoute, tu vas nous le montrer maintenant. Alors, quand tu vois qu'en 24 heures j'ai fait Master 100 LP à D4 30 LP, voilà quoi. Là, je suis en train de remonter petit à petit, mais c'est compliqué. Ok, bah écoute, let's go. Tous les gens que j'invite ont perdu 400 LP, alors je sais pas si c'est moi le dénominateur commun, j'arrive pas à parler. Non, c'est juste, j'ai eu des petits problèmes, on va dire. Oui, tu as eu et des... Je suis connu pour être inconstant aussi au jeu. Ah oui, d'accord, tu peux être très fort ou très nul. Ouais, voilà. Donc okay. Ça, c'est mes runes entre guillemets principales. Vu que tu joues autour de tes ghouls, vu qu'elle proc la létalité. Ok. Donc First Strike, tu rajoutes 10% de dégâts en plus. Qu'est-ce que tu veux dire de plus 10% sur 4 ghouls, ça fait très mal. C'est comme si tu avais un deuxième Yorick en fait. Ok. Tout va bien. Les bots parce que c'est un peu la seule rune qui est bonne. Parce que tu vas jamais utiliser l'ex-flash. Ouais, ni la stopwatch, tu vois. Et la stopwatch, c'est vraiment ultra situationnel. Ok. Les cookies, tu peux prendre aussi des... Sur les trois, tu peux prendre n'importe quoi, mais souvent, vu que tu Q un maximum et tu E, t'as besoin de mana. Et vu que ça te file de la mana max, c'est gratuit. Ok. Et en dernier, je vais toujours conseiller approche vélocité. Parce qu'en gros, ça combat avec ton E. Ok. Le but de ton E, en fait, c'est... Tu vas voler de la mousse speed d'un ennemi. Et la mousse speed que t'as volé, tu vas la récupérer. Ok, d'accord. Et tu combottes avec ça, tu peux, même si t'as pas de bot, souvent tu peux le rattraper. Ok, je vois. Ensuite, tu prends bonne plating ou second souffle, ça dépend, tu tombes contre quoi. Ok. Et overgrowth, vu que tu joues avec très peu d'HP, avoir des HP maximum sur des ghouls, c'est très bien. Ouais, c'est pas mal, ok. Ensuite, tu joues full adapt. Adaptative Force plus HP pour les ghouls. Mais sinon, t'as une autre. Une autre variante. Excuse-moi, je bégaye un peu. Une variante, tu joues Fleetwood Work.
avec Overheal pour avoir un petit shield en plus. Ok. Bloodline, parce qu'en gros ta vierge applique la sustain mm-hmm. que tu as. Et coup de grâce, parce que souvent ben, tu one shot très rapidement la cible. Okay. Et tu prends démolition et revitalisation pour avoir plus de shield et plus de heal. Et après, sur les runes, tu prends les runes, tu prends deux forces adaptatives et les HP, c'est ça? Alors, avec Fleet, non, tu veux jouer plus défensif, donc tu vas prendre l'attack speed. Ok. Et après, c'est souvent tu peux prendre double armure ou juste okay. adaptatif pour avoir plus d'armure. Ok. Mais sinon, la majorité du temps, c'est ta runes. En gros, le majeur problème de Yorick, c'est Titan Mid, parce qu'en gros, si tu veux, en EU global, il y a moins en EUW. Ok. Et en EUNE, t'en as un autre, il est passé Master récemment. Ok. Mais lui, il joue vraiment. Il est pire que moi, il est plus dégénéré. D'accord. Deep Max 02. Mais ça veut dire quoi, plus dégénéré? En gros, lui, il joue Exhaust Ignite. Oh putain. Oh. Et. Enfin, j'ai un peu copié son stuff parce que de base, j'étais. Si tu veux, ton corps, ça va être l'éclipse. Ok. Parce que tu vas mettre E, tes ghouls vont sauter. Ok. Elles vont mettre une auto-attaque et la plupart du temps, des fois ça marche pas, cherche pas, c'est un bug. L'éclipse va proc et tu vas gagner 80 gold avec ta first strike. Allez, on est parti, mesdames et messieurs. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on joue Yorick mid létalité. On est en D2, D1 master et bah, voilà. On est parti. Alors, stream mis en pause, je sais pas si c'est normal. Non, t'inquiète, c'est moi, je regardais juste les lots moyens de la game. Normalement, okay. C'est bon là. Bah, incroyable, Django. Django, tu veux qu'on aille où au resto? C'est toi qui choisis. Ouais, t'as raté le Mundo support aussi. Aussi c'est ça. T'as dit quoi? Tu coupes ça au montage aussi? Non, c'est bon. On est transparent ici. Exactement. Ouais, je te jure, Néo, ça va. Là, ce match-up, je me ferai normalement un peu moins harcelé que par. Par le Victor, ouais. Là, c'est un match-up qui est au calme pour toi. Je suis un peu plus favorable que lui, vu que souvent il utilise son shield juste pour mes ghouls. Et il regarde pas leur barre de passif. Donc tu okay. peux jouer autour de ça. Oh là, tu t'es régalé du coup, tu vas bien manger. Bah 11 gold. Ouais, plus les 5, ça fait 16. Ça fait un sbire mage en plus. Ouais, mais surtout que si à chaque fois si t'arrives à le proc à chaque fois, gros, il va péter un plomb en face. Ouais. Non, Yorick mid, c'est pas chiant avec les distances. Ben, j'ai l'habitude maintenant de jouer contre des distances, contre tous les champions chons du jeu. Une fois que t'as compris, t'es tranquille. Ah ouais, vas-y, go Django, ça me va. Et contre certains champions, c'est vraiment. Ouais, c'est horrible. Mais moi je me régale, j'ai très envie de jouer, de le tester. Tu peux le tester, c'est pour Yorick, c'est très simple à jouer, il y a vraiment pas de grosse mécanique. C'est pas mal de. Bah, en fait, la cage prévient vraiment des ganks, c'est vraiment, ouais. T'es vraiment tranquille. En gros, tu peux annuler les ganks, tu peux annuler les dashs, les TP. Ah ouais? Oui, tu peux cancel les TP. Ok, je savais pas. Comment tu fais? Faut juste le mettre dans la cage ou. Faut le mettre dans le bord. Ah sur ok. Le bord. Ok ok. Ok, je savais même pas, putain, tu m'apprends un truc. Bah. Regarde là, mon E était invisible. Juste parce que j'ai. Okay. J'ai ici. Wintali, merci ton follow BG. Ok, je savais pas. Tu apprends des trucs. Ouais, tu régènes bien en vrai avec les cookies et tout. Ouais, en gros, mon Q, ben, tu peux le voir. Alors, c'est un peu le. Le sort bruiser qui est un peu le plus nul niveau HP, parce qu'en gros ça te donne juste 16 HP à okay. chaque Q. Merci SX pour le follow. Quand tu vois des healers qui peuvent gagner 40% de leur PV avec une tentacule. Ouais, ça c'est abusé, ça serait vraiment tu te sens un peu faible. Hein. Mais là, ouais, je suis bien en vrai. Oh, tu l'as touché, oh, tu vas te régaler. 3 gold, c'est déjà ça.
Après, tu t'en fous. De toute façon, le plus important, c'est que tu lui fais perdre de l'XP aussi. Je veux juste lui faire perdre des HP et poke un peu, c'est tout. C'est trop cool. J'aime trop. J'aime trop. No joke, j'aime trop, c'est incroyable. Après, bon, le pick n'a pas un win rate insane, mais c'est fun à jouer, c'est tranquille. T'as combien de win rate toi avec, ce, avec le pick là, j'ai 59%. C'est pas mal quand mais, même. Mais bah, j'ai 800 games, 50... enfin, en 800 games, j'ai 57% au total. Et au mid, je vais avoir 300, j'ai 59. Ok. Mais j'ai vraiment de la chance parce que des fois tu peux vite dégringoler en winrate sans raison. Ok, oui, bah. Comme tu dirais, les vacances. Hein. Ouais, j'ai perdu 400 LP x2 donc tu vois, après peu importe les lots, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Et dans tous les cas, en fait, plus tu montes, plus tu vas jouer un champion simple, plus ben, le gameplay va être, on va dire, linéaire. Parce que plus il va être dur. Plus tu vas avoir du mal à jouer et tu peux te faire counter facilement. C'est pour ça que j'arrête de jouer top en ce moment. Bah, il aime le champion après Néo, tu vois, tu peux pas dire à alors, quelqu'un qui aime. Non, vu que je joue un gameplay atypique, moi j'aime bien quoi. C'est ça gros, tu peux pas dire à quelqu'un qui s'emmerde, s'il joue 800 games, c'est bon. Que le champion lui plaît quoi. Par contre, si tu joues Yumi, là... Yumi, moi c'était qu'au début, un de mes comptes c'était un OTP Yumi. J'ai fait genre ouais, 20 games, j'en pouvais plus. Tu fais 20 games, j'en pouvais plus gros. Bah, il y a un moment, je jouais les supports en top et je faisais Corom. Je pense que t'as connu vite fait cette ouais, méta. Ouais, hein. J'ai connu cette méta, ouais. Ah, aye. Dommage. Oh, t'as touché max range, bien joué à lui. Et en gros, moi, je jouais ça avant le. Ben, que ça soit méta, je m'amusais. Tu peux massacrer le Drake du coup avec Yorick, ça? Ouais. Bah, regarde, là, les HP. tranquille. Bon, par contre, le reset de l'aggro, ça m'énerve un peu. On va le laisser pour. Tu l'as massacré le Drake. Ouais, mais si j'avais Eclipse, il aurait pu le solo, mais bon. Ah bah, je l'ai eu en plus. Putain, c'est toi en plus qu'il a eu. Bah, super, il s'est la Vex, tu lui mets combien de gold? Là. Ah, de. En vrai, tu lui mets combien facile. Là, je lui mets 200 gold facile. C'est pas mal, hein. Je vais parler de farm. Oh là, c'est incroyable. Là, tu vas te régaler par contre. Non, elle m'a touché avant. J'ai tenté de. Ah merde, ok, my bad. En gros, même si elle te touche, t'as 0,5 secondes pour la toucher. Ok. Et j'ai tenté. Non mais surtout là, tu l'as mise mid HP quoi. Ouais, j'ai rien fait pourtant. C'est ça que je trouve tout. C'est ça qui est bien. C'est ça que je trouve fou. Ah bah Elo, ça doit tellement bien marcher. Ah bah Elo, ouais, bah que ça soit Yorick, tu joues Trinité, Serilda et Danse de la Mort, t'es limite invincible aussi. Parce qu'il pense jamais à tuer la Vierge si tu veux. Ah ouais, ok. Genre là, elle aurait juste pu poke plusieurs fois ma vierge, elle a rien fait. Alors qu'elle aurait pu. Et en plus, ça touche. Anti-gold. C'est bien en vrai. Ouais. Bah, 18 CS. Là, par contre, là, il y a de la Elise. Hein. Où est-ce qu'elle va aller? Elle va aller bot. On va back. Putain, j'aime trop le gameplay, il est incroyable. Est-ce que je peux l'aider? Non. Ouais, tu peux peut-être récupérer un kill. Ça va être un peu compliqué, le Sylvie à son spell shield. Le spell shield, ça désengage tes. Ça, en fait, ça cancel ton E, du coup, ça engage pas les sbires, ça. Ça cancel mon E, ouais. Ça cancel ton Q aussi. Ok. Vraiment, mon champion, tu creuses un peu, t'as plein de bugs, mais c'est amusant. Mais je pense qu'il y a plein tous les champions ont des bugs, tu vois, parce que tous les OTP, je crois, ils me disent oui, ouais, mais là c'est le problème, bugué. C'est que Riot, ils ont fait, parce que je sais pas, je pense que dans le chat, ils ont connu le bug avec deux vierges. Oh, je sais pas si tu connais. Non, j'ai pas connu moi. En gros, tu pressais ton R et directement après, tu spammais ton A, enfin ton Q. Ok. Et dès que tu mourais, ta vierge elle mourait pas. Mais t'avais le R en CD, donc tu pouvais en avoir deux. Bon, apparemment, c'était broken. C'était broken, 8v. Bon, je me suis pris un petit train, mais je vais régen assez vite. Tu devais tabasser les adversaires. Et ils ont pris 2 mois et demi pour le patch. Parce qu'en gros, ils trouvent que les bugs de Yorick ne servent à rien d'être changés. Vu que ça ferait des changements mineurs, quoi. Ok. Pour tout ce qu'il a. Après, le E a l'air vraiment très dur à placer. Hein.
Bah, plus tu le mets loin, plus tu vas avoir du mal à le lancer. Il va mettre du temps. Mais bon, ça va, je peux poke comme un 40 gold. 40 gold, ouais. Ah, t'as pas pris l'abatteur cette fois-ci. Ah, non, j'étais bien dans la game, donc ça servait à rien. Autant avoir mon spike rapidement. Ok, ok. Là, ils vont se faire dive. Bon. Oh, toi, tu joues ta lane tranquillou, tu fais ton gameplay, ouais, quoi. Je joue ma lane, je poke si je peux. J'ai mon Eclipse, j'ai back. J'ai juste regardé s'il n'y a pas des... Bon, c'est à partir de là que tu vas commencer à te régaler. Ouais, c'est ça. Ben, la Vex, à tout moment, elle disparaît. Ah, t'as une petite hélice derrière toi. Ouais, bah là, je mets mon Z, comme ça, elle est obligée d'utiliser la plante, elle l'a loupé. J'ai le Q, j'ai gagné 20 gold, c'est bon. Ça tabasse en plus le Q avec un mode létalité en plus, hein. Ouais. On va pas tenter, ça sert à rien. Attention, tranquille, t'as ton Eclipse. Ouais, mais le problème, c'est quand tes mates te forcent un truc. Bon, finalement, ça passe. Quand tu n'as... Voilà, Ah bah, j'ai le kill. Ah, t'as le kill, incroyable. C'est quoi, c'est les ghouls? Non, c'est l'Ignite. Ah, ok. Putain, là t'es trop bien. Là, t'es trop trop bien. Je suis Gucci, ouais. Je fais tout le temps célérité parce que ça ignore que t'as pas de dash. Ok. Tu veux. Donc moi je compense le dash par plus de move speed. Okay. C'est le seul truc que tu peux faire et des fois les ghouls en fait elles prennent une partie de ta move speed des fois. Avec tes bots. Ok. C'est une dinguerie que tu nous proposes là gros. C'est que du plaisir. Ben... Tu veux remonter avec mid hein. Eh ben quand tu veux on tourne le Tarik mid. Attends, tu m'as dit quoi que t'as tu as quoi comme délice? Ah, le Jarvan mid aussi. Hop, j'ai mis un petit poke. Oh, la pente, c'est... Je suis pas mort. Ah si, je suis mort. Mais ils ont essayé beaucoup pour moi. Et j'ai cru que ma pink était une potion, je suis teubé. Tu sais que la première fois que je suis passé coaching avec Sixen, gros 3 milliviewers, il y avait gros, je me suis fait insulter. J'ai insulté. Moi, je pourrais jamais. Je pourrais jamais, vu que je suis stressé très vite et susceptible. Ça ferait pas bon de ménage sur des gros streamers. Mais sur des petits streamers, même tu vois, pour les aider ou quoi, pour. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est squishy. Après, les gars, vous pouvez pas tout avoir. Hein. Tu peux pas avoir de la létalité des dégâts. T'as juste un build où. Ben, le build classique, Trinité, Serilda, tu vas. Bien plus tank. Mais tu perdras beaucoup de dégâts. Et tu ne joues pas First Strike à la base, tu joues Conquérant. Donc. Faut bien avoir des avantages et des inconvénients sur tous les persos. Attends mais... Non, sur Yorick, ouais là je suis tranquille, regarde. J'ai juste à attendre... Quoi? Attends mais c'est pour être sûr que Elise n'est pas là. Regarde. Mais quoi? Mais c'est une dinguerie. C'est ce que tu peux faire avec Yorick. Tu peux sauter Nedrake. C'est cool. J'espère juste qu'ils vont pas se faire style. Bon, ça va. Mais c'est une honte. J'ai respawn avec deux ghouls. Allez, c'est parti. Voilà. Là, j'ai Yo, des... Normalement, ouais, j'ai deux ghouls qui push bot, donc je peux un peu aider mid. Ok, en plus tu l'as enfermé. Par contre, pourquoi il faut que je balise? Je sais pas, c'est la Jinx. Mais après, tout va bien. Bah, t'es en 2-2-4, quoi, t'es vraiment trop bien. Et en plus, First Strike. T'as gagné combien de gold avec First Strike là, depuis le début? 264, c'est pas énorme. Mon record, c'est 1700 à partir de cet état de la game. Wouah, mais gros, mais 1700? Ouais, Ouais, mais après, j'étais ultra feed. Et le Nashor, tu peux le soloter pareil que les Drake ou pas? Je peux le sauter avec moi et ma vierge, mais je ne peux pas la sauter seulement avec mes ghouls. Ok, ok. Parce que. En fait, elle fait des dégâts à eux. Donc, tu fais pas grand chose. Elle était forcée de out. On va mettre. L'Hérald, vu qu'il y a un canon en plus.
Ouais, t'as vu, c'est trop bien la nouvelle série là, les atypiques. Ouais, t'as proc 60 Aïe. gold avec First Strike. Ouais, mais là je ne peux rien faire parce que leur champion bump trop. Ah, Et t'as j'ai tué. tué Sylvia sans faire exprès. Voilà ce Bon. que tu fais, hein. Oh, je suis Tu mort. fais tes random. Oh, t'as trop bien joué. Gros, t'as trop bien joué. Mais je peux pas faire plus, sinon je mourrais par Ouais, t'as plus de boules. l'Avex. Ah bah. Ouais, t'as trop bien joué, no joke, par contre. En vrai, ça, normalement, si j'ai pas de conneries, j'ai mon néon. Ouais, j'ai mon collector, ça va. Mais là, la tour, tu la tabasses en plus, non? Ouais, ça va, Ouais, ouais. bah là, je suis tout seul à tab... Bah après, là, je suis tout seul à tabasser, y'a pas mes ghouls, quoi. Ah, d'accord. Donc, voici un bug de Yorick. Si tu auto le clone de Wukong, tu ne peux plus bouger. Ah, d'accord, bah, stylé. Je ne meurs pas, c'est... ça va. Genre là, ils vont aller direct, on va juste retourner top, hein. T'aurais Ils pas vont pu prendre prendre le le back. gramp? Je préfère garder mes ghouls vu que je vais en avoir que deux qui vont spawn. Ok. Mais sinon, ouais, tu peux, c'est gratuit. Merci J pour le follow. Bon, moi, j'ai pris la tour. On va lui faire gaffe à l'ult de Vex. Quel délice. Voilà, 82 gold, comme je t'avais Je dit. suis la mid HP avec un seul E, c'est. Et j'ai eu l'inhib. Quelle dinguerie. En attendant, ben top, top. En bot, ça fait le taf. On va continuer à prendre la jungle de Elise. Je vais mettre mon E sur le gomp et on va faire le Nashor là. Équipe le solo. Ok. Normalement, on le fait assez rapidement avec le DPS de Jinx. Même avec tes ghouls, non? Tes ghouls, elles grattent pas de ouf les HP? Ouais, mais le Jinx ça fait un meilleur DPS, bah, comme Ok. toujours quoi. Après, le seul truc, c'est que t'es pas tanky, quoi. Ouais, bah faut bien, comme dans tous les champions à part les Sunfire Abuser, un avantage et des inconvénients, j'ai envie de dire. Ah, Sunfire, gros, c'est broken. Vous êtes en train de massacrer la game. Après, le seul truc qui change, c'est quand t'as plus de ghouls, quoi. Ouais, t'es trop dépendant. Mais là, je me suis mis devant Jinx pour que Nautilus la grappe pas. Ah, là, le dire, il est trop bien dans la game. J'ai rien fait, j'ai juste tenu la Vex pour qu'elle roam pas effacer R de folie. Et... Non, t'inquiète. Ouais, ok, je vois. C'est un guide sur le champ. Non, non, il joue. Non. C'est un atypique, les gars. Il C'est joue. juste un gameplay atypique, c'est un champion atypique que tu ne verras jamais. Ou une game sur 100. Il y a très peu d'Yorick en vrai. Hein. Ben, je connais que, ben pour te dire, entre guillemets, 5 ou 6 Yorick top elo. Et j'en vois très rarement en bas elo quand je m'amuse avec des potes. Mais ça peut, à tout moment, ça peut revenir à la mode en elo et ça va se refaire en nerf. Très vite. Tu trouves que le champion mérite un nerf? C'est pas qu'il mérite un nerf, c'est juste que en bas elo, il est trop fort. Hein. Mais en haut elo, il est trop nul. Comme Garen quoi. On raconte que Garen c'est fort quand même. C'est ça. Ah, il est pas mort le monsieur. Pourquoi il a pas pris de dégâts? La Ok. divine. Cet item de mort. Il live des fois. Oui, vous aurez sa chaîne en Non, dessous. j'aimerais beaucoup stream, mais le problème c'est que Ah, tu l'avais pas? Pardon. vu. Non, bah je vais peut-être tester ce week-end. Et le problème, c'est que ma connexion, des fois, elle crash, donc j'ai même pas envie Ah d'essayer, ouais, quoi. c'est relou. Ouais, je vois. En vrai, moi j'aime bien le gameplay, hein. Ça me dérange pas, je trouve ça chill. Ouais, tu casses des tours, quoi. Merci à acheter. Aïe, je me suis Allez, topé. là c'est un peu la merde, là, ouais. J'ai mis ce. Au moins, il a une inhib, ça va. Hein. Enfin, T'as bizarre. l'HP de tes ghouls sont liés à tes HP à toi? Ouais, 75% de mes HP, plus chaque niveau, ils ont des HP de base. Ok. Donc par exemple, si t'as 5000 HP, ben t'es un monstre. T'es un monstre avec toi. Ok.
Attends, mais ils le font là, mais c'est des fous. Je. Oh, mais comme t'es en train de le gratter, par contre, ça rend fou. Le problème, c'est pas que je gratte, mais. Ah, ouais, la game. Oula. Ouf. Ouais, elle va être. Ah, bah, après, regarde, vous finissez la game. Ouais, la game se finit tout seul. Il y a la civière. Ah, je l'ai. Il est mort lui. Oh, il a flash et tout. Oh, quel enfer. C'est trop bien. Oh, ce que tu lui as mis. On lui est mort aussi. J'ai loupé mon E, c'est. Je sais pas jouer. Ah, mais bon, du coup, t'as fait un très bon fight du coup. Hein. Ouais. Palmarès d'en fait, j'ai loupé tous mes E, mais je mets que des Q. C'est le principal. Ouais, ils ont quand même l'air dur à placer les. Ouais, bah avant c'était plus simple parce que tu n'avais pas 40 millions de persos à dash, à cancel, tout ce que tu veux. C'est pour ça que j'aime bien jouer contre JP. Au moins il dash pas. Même si les gens détestent ce perso. Après le gameplay JP est relou. Ouais, mais sauf que en fait, tous les persos immobiles, donc pas, quasiment pas méta, okay. Je trouve. Tu les counter juste parce que tu as ta cage. Ah ouais. Souvent, bah. ta cage est synonyme de une mort. Hein. Ah, moi je pense que bon, par contre. Wouah. Comment ça, t'as one shot l'Aise? Je me suis pris un boomerang à 6. Non, c'est pas Lise, c'est sévère. Je me suis pris un boomerang à 600. Ah merde. J'avais pas qu'à être là. Là, on va gagner 15% de move speed. Donc là, c'est quasiment free. Demande-lui pourquoi il a pas pris item anti-shield pour Vex, Nautier et Sivir. Genre le Serpent Fang. Bah l'anti-shield ne marche pas contre le shield de Sivir. C'est le groupe, le point noir de. Oh putain, tu l'as tué avec quoi? Ouais, je mets. Avec une auto. Par contre, tu mets des dégâts. Ah, tu l'as touché? Ouais. Voilà, bon, là tu te régales. Hein. Ouais, et la game est finie. Ah, t'as sorti un gros dernier teamfight incroyable. Oh, le délice. Ah. Wow. Gros 7-5-9, c'est pas mal hein, pour un Yorick. 7-5-9, je vais regarder le first strike, je crois que je suis à 700-800, donc tout va bien. Mais gros, incroyable. Et genre, ouais, ce gameplay m'amuse. Si vous jouez, bah, amusez-vous avant tout. We'll be right back.